Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la série pour les débutants. Donc hier nous avons vu comment faire le carton et comment mettre du fil sur les fuseaux. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment commencer l'étoile ici et comment faire le premier point de base, le point fermé. Alors ici tout en haut de la pointe vous avez un trait vertical, dessus j'ai mis trois épingles. Les épingles vous les trouvez dans le kit de démarrage. Ensuite, vous allez mettre vos meneurs, celui où on a mis le plus de fil hier, à part. Et sur les trois épingles, vous allez placer, comme je fais là, une paire sur chaque épingle. Donc, ce qui est important, c'est toujours de travailler en face. Que vos fuseaux soient dans... Là, on va faire cette partie-là, les fuseaux doivent être comme ça, et moi, je me trouve en face de mes fuseaux. Ensuite, les meneurs, vous allez les mettre sur l'épingle qui est complètement à droite, ici, à côté de la paire que vous avez placée là. Donc, les meneurs sont ici. Donc, je vous invite à prendre un petit bout de papier et vous allez noter le point fermé. Donc, le point fermé, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Ça correspond donc. Je vous ai dit. Vous avez les meneurs, c'est ceux qui vont faire les va-et-vient. Donc ils vont aller de droite à gauche et de gauche à droite. Ils vont faire tout le temps la navette et c'est les zigzags qui sont représentés sur le modèle ici. Donc là vous êtes à droite, il va falloir les amener à gauche. Donc vous prenez la paire qui arrive, parce que je vous rappelle, on travaille toujours par paire. Donc la paire de gauche qui arrive, vous avez 4 fuseaux. 4 fuseaux, 1, 2, 3, 4, dans ce sens-là. De gauche à droite, on compte le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Et ensuite, on va faire donc le point fermé. 2 sur 3. Je prends le deuxième et je place à la place du troisième. 4 sur 3. 1, 2, 3, 4. Je prends le quatrième, je mets à la place du troisième. 2 sur 1. 1, 2. Je prends le deuxième, je le mets à la place du premier. Et pour finir, 2 sur 3, 1, 2, le deuxième que je mets à la place du troisième. Vous avez toujours vos meneurs qui sont ici. Si vous avez fait une marque dessus, vous les repérez, ils sont toujours là. Ceux-là, vous les laissez de côté et vous prenez la paire qui arrive ici. On travaille toujours avec les meneurs, vous en avez 4. Toujours 1, 2, 3, 4. Vous faites le 2 sur 3. Le 4 sur 3, le 2 sur 1, et pour finir, le 2 sur 3. Et je les laisse de côté, je garde toujours mes meneurs et je prends la paire qui arrive. Je recommence, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Une fois que j'ai fait ça, j'arrive au bout de ma rangée. J'arrive ici en bout de rangée, tous mes fuseaux sont à droite, mes meneurs qui étaient à droite sont maintenant à gauche. Ici, je vais les mettre deux fois en torsion. Quand c'est du point fermé, on les met deux fois en torsion. Une torsion, ça veut dire qu'on prend celui de droite et qu'on le passe par-dessus celui de gauche. Et on fait ça deux fois. Vous faites deux torsions et vous allez repasser les deux fils derrière la première épingle ici à gauche que vous avez mise. Ensuite, vous êtes à gauche, les meneurs sont à gauche et vous allez à droite. Donc je vais prendre la paire de droite qui arrive, ceux-là pour l'instant je ne les touche pas. Je prends toujours les meneurs dans mes mains. La paire de droite qui arrive, j'en ai 4. On compte toujours dans le même sens, 1, 2, 3 et 4. Et je fais 2 sur 3. 4 sur 3, 1, 2, 3, 4 sur 3. 2 sur 1, 1, 2 sur 1, et pour finir 2 sur 3, 1, 2 sur 3. Ensuite, ceux-là, vous les mettez de côté, et vous avez vos meneurs ici, que vous devez continuer à amener à droite. Donc vous prenez la paire de droite qui arrive, et vous recommencez, 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, et 2 sur 3. Ceux-là, je les laisse de côté. Je reprends la paire de droite qui arrive, puisque le but, c'est d'amener les meneurs à droite.
J'en ai 4, je recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Une fois que j'ai terminé là, je fais 2 torsions, toujours droite sur gauche, 2 fois. Et cette fois-ci, je vais mettre une épingle. Dans le premier zigzag, donc à droite ici, sur la pointe du zigzag, et vous mettez donc les deux fils derrière. C'est pas juste un fil, c'est pas entre les fils, vous mettez bien les deux fils de meneur derrière l'épingle. Une fois que c'est fait, vous allez tirer pour placer les fuseaux. Donc pour tirer, vous tenez toujours vos meneurs dans la main droite et vous allez tirer avec la main gauche, doucement, ça sert à rien d'aller trop fort, les fuseaux. Vous pouvez les prendre par deux, vous pouvez les prendre un par un. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se placent. Ensuite, on va recommencer. Les meneurs sont à droite. Je dois les amener à gauche. Je prends la première paire à gauche qui arrive. Je me retrouve avec 4 fuseaux. 1, 2, 3 et 4. 2 sur 3. 4 sur 3. 2 sur 1. Et 2 sur 3. J'en laisse 2. J'en reprends 2. 2 sur 3. 4 sur 3. 2 sur 1. 2 sur 3. J'en laisse 2. Je reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Ensuite, j'arrive ici en bout de rangée. Donc, je vous le rappelle, quand on arrive au bout de rangée, on fait une torsion, deux torsions sur les meneurs. Et ici, je mets l'épingle à gauche cette fois. Quand les meneurs sont à gauche, on met l'épingle à gauche. Quand les meneurs sont à droite, on met l'épingle à droite. Donc là, vous mettez votre épingle à gauche derrière les deux fils. Vous prenez le temps de placer vos fils. Vous tirez dessus tout en tenant toujours vos meneurs. Et ensuite, vous retournez à droite. Donc je suis à gauche, je vais à droite. Point fermé. J'en prends une autre paire. Point fermé. Je reprends la dernière paire. Point fermé. Deux torsions parce que je suis en bout de rangée et je mets l'épingle derrière les deux fils ici. Maintenant je suis à droite, je vais à gauche, point fermé, point fermé, point fermé. J'arrive en bout de rangée, je fais mes deux torsions, je mets mon épingle à gauche ici, je tire. Mes meneurs sont à gauche, je retourne à droite, point fermé, point fermé, point fermé. Je suis en bout de rangée, je fais deux torsions sur mes meneurs, droite sur gauche. Je mets mon épingle. Je suis à droite, je vais à gauche, point fermé, point fermé, point fermé. Je suis arrivée en bout de rangée, je fais mes deux torsions et je mets mon épingle. Et ainsi de suite, vous pouvez travailler déjà jusque-là, c'est-à-dire vous allez faire tout ça et remonter jusque-là. Ici, on verra, ce sera peut-être un peu différent. Pour l'instant, vous pouvez déjà travailler tout ça. Mais avant de vous lancer en solo à travailler cette partie, je vous invite à prendre l'enfance épingle. Cet objet est aussi dans le kit de démarrage et vous allez enfoncer les premières épingles que vous avez mises. Alors quand je dis les premières, c'est parce que les deux dernières, les dernières de chaque côté, vous ne les enfoncez jamais. Parce que si vous les enfoncez, le fil ne sera pas tenu, il va passer par-dessus et votre dentelle va se déformer. Donc régulièrement, vous laissez, dès que vous avez un petit peu d'épingles levées, vous les enfoncez. Faut pas garder la dentelle levée parce que sinon, d'épingle levée, sinon ça fait lever la dentelle. Et la dentelle, si elle se lève, elle se déforme. C'est pour ça qu'il est important de bien tirer et de les enfoncer à chaque fois. Voilà, donc vous avez compris le principe. Là, on s'est arrêté ici. Mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Je vous invite à faire le va-et-vient déjà jusque-là. Alors
Alors, juste un petit aparté ici, j'ai oublié de vous dire, en fait, les meneurs vont faire les va-et-vient, donc plus de fils va être pris. Donc du coup, ils vont avoir tendance à remonter par rapport aux autres fils. Donc là, c'est tout l'intérêt du no coulissant que vous avez fait, c'est que vous prenez votre fuseau à la verticale et tout simplement, bah, vous le descendez. Et si vous voyez qu'il y a une petite résistance, vous tournez ici et vous le mettez au même niveau que les autres. Ensuite, si jamais vous avez fait trop long, il suffit ici de prendre la boucle et de le remonter. Vous pouvez enlever tout le nœud, vous remontez et vous refaites votre nœud coulissant. Et ensuite, vous remettez à la taille que vous voulez. Alors, par rapport à la longueur de fil qu'il faut, voilà, il ne faut pas travailler trop long parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Mais quand on travaille trop court, c'est pareil, on ne voit pas non plus ce qu'on fait. Donc là, vous voyez à peu près où sont mes fuseaux, donc à peu près à ce niveau-là, au bas de l'étoile. Mes fils sont là, ça vous donne à peu près la distance.